Dans le Languedoc-Roussillon, François Mitterrand lance un appel pour gagner la bataille des temps modernes, la CGT manifeste. L'explosion du Boeing 747 d'Air India au large des côtes d'Irlande est probablement due à un attentat. Élection présidentielle en Italie, Francesco Cossiga, 57 ans, succède à Sandro Pertini. Bonsoir. Pour sa première journée de visite officielle dans le Languedoc-Roussillon, le président François Mitterrand a lancé un appel aux Français pour qu'ils se rassemblent dans l'effort pour gagner la bataille des temps modernes. Si l'accueil a été parfois enthousiaste et les critiques modérées, le président s'est heurté aux manifestations d'hostilité des militants de la CGT et du Parti communiste. Jean-Luc Manot. Des militants communistes agressant physiquement des socialistes, des membres de la CGT déchirant et piétinant des portraits de François Mitterrand, c'est l'image qui ce matin s'est imposée à Alès. Image symbolique de la volonté du PC de provoquer la perte du pouvoir socialiste à tout prix. Dans ce climat, le président a réaffirmé sa solidarité avec ceux qui souffrent de la crise. Mais il a dit également nettement qu'il refuse la démagogie. Il a expliqué qu'on ne peut soutenir indéfiniment des entreprises qui ne sont pas viables. L'après-midi, elle, fut plus calme et parfois même chaleureuse pour le chef de l'État. Ce dernier en a profité pour réaffirmer à plusieurs reprises que l'élargissement de la communauté européenne, s'il constitue un risque pour la France, est également indispensable et peut aussi représenter une chance pour elle. Et puis, ce fut l'arrivée à Montpellier avec un nouvel appel à l'effort de tous. Lorsqu'on est devant la vie, ceux qui l'ont choisie et ceux qui la veulent, plutôt que ceux qui gémissent le long du chemin, alors on sent bien que la France est capable de gagner la bataille des temps modernes. Cet appel de Levigan à Mende, de Florac à Montpellier, le chef de l'État l'a partout repris. Il tient en quelques mots. Les responsables du pays sont mobilisés pour sortir la France des difficultés. Mais seuls, ils ne peuvent rien. Ne demandez pas toujours tout à l'État. Prenez votre part à l'effort national. Nouvel échec dans les négociations entre le patronat et les syndicats. Il y a 6 mois, le CNPF et les organisations syndicales n'arrivaient pas à s'entendre sur la flexibilité de l'emploi. Aujourd'hui, nouvelle rupture des discussions sur les contrats de conversion pour les licenciés économiques. Du côté des syndicats, on estime que le CNPF a fait échouer ses négociations pour des raisons politiques, qu'il pense à l'après-86. Le CNPF estime que les syndicats ont eu une réaction doctrinale. À Paris, réunion du comité central du Parti communiste français, Georges Marchais affirme que l'objectif central du Parti socialiste, de la droite et du capital est de marginaliser le Parti communiste aux législatives de 86. Nouveau voyage à l'étranger du Premier ministre Laurent Fabius. Il est arrivé à Alger en début d'après-midi. Les relations entre la France et l'Algérie sont actuellement plutôt fraîches et les échanges économiques se sont ralentis. L'explosion du Boeing 747 d'Air India au large des côtes d'Irlande et qui a fait 329 morts est probablement due à un attentat terroriste. Le capitaine d'un navire panaméen affirme avoir vu l'appareil exploser en vol. Le Boeing avait décollé de Toronto au Canada et le gouvernement canadien est persuadé qu'il s'agit bien d'un acte terroriste. Arnaud Lapeyre. Une explosion en plein vol, c'est la thèse la plus probable d'après les experts. Mais pour l'instant, la chute du Boeing reste une énigme. S'agit-il d'une explosion accidentelle ou d'un attentat? Seule la découverte de la boîte noire dissipera les incertitudes. Reste de fortes présomptions en faveur d'une hypothèse, celle d'une explosion d'origine criminelle. Les soupçons des experts sont avant tout fondés sur les caractéristiques de l'avion. Un appareil de ce type aurait dû planer et non tomber en piqué. D'après les spécialistes, seule une explosion à bord pourrait expliquer cette chute. Une chute brutale, puisque les débris de l'avion ont été retrouvés à la verticale de la dernière position connue du Boeing. Et ce n'est pas le seul élément. D'autres faits confirment la probabilité d'un attentat. La responsabilité de la catastrophe aérienne est revendiquée par des Sikhs, même si les représentants de cette communauté sont sceptiques. Selon eux, les terroristes n'auraient pas saboté cet avion, d'autant plus que des Sikhs se trouvaient à bord. Cet argument n'a pas entamé les convictions du gouvernement canadien. Pour les autorités de ce pays, la thèse de l'attentat ne fait aucun doute. Cet après-midi, une alerte à la bombe dans un Boeing d'Air India a sans doute renforcé leurs convictions.
Je reçois à l'instant une dépêche qui indique qu'un avion autrichien qui assurait la liaison Rome-Vienne a dû retourner à Rome après une alerte à la bombe. Au Liban, les 40 otages américains de l'avion de la TWA en sont à leur 11e jour de captivité, selon les dirigeants du mouvement chiite Amal. Ils sont bien traités, ils vont à la plage, regardent la télévision et ont même pris quelques kilos. Ce matin, cependant, un médecin a examiné l'un des trois membres de l'équipage qui est toujours retenu dans l'appareil, sur la piste, et qui souffre de maux de ventre. De son côté, Israël a relâché 31 prisonniers libanais parmi les 766 prisonniers dont la libération est réclamée par les pirates de l'air et le mouvement Amal. À Jérusalem, Patrick Bourra. Une première libération pour voir, tester la volonté des pirates de l'air et diminuer la tension entre Washington et Jérusalem. Un signe de bonne volonté, dit-on officiellement. Voilà la vraie raison de cet élargissement des premiers détenus libanais chiites, qui sera suivi par d'autres dans les prochains jours, d'après plusieurs ministres. Et pour sauver la face, l'écran de fumée de la justification officielle. Cette libération n'a rien à voir avec l'affaire des otages américains. Elle dépend de l'évolution de la situation au sud Liban. Nous ne céderons jamais devant les terroristes, on le sait très bien, à Beyrouth. Il reste 735 Libanais, dont 545 chiites, dans l'ancienne forteresse britannique d'Atli. La tactique suivie par Israël de libération au compte-gouttes permet de dissocier cette libération de l'exigence des pirates de l'air. Officiellement donc, on ne capitule pas. Mais on est guère optimiste à Jérusalem. Une fois tous les prisonniers libanais relâchés, Nabi Berri va-t-il pouvoir faire libérer tous les otages américains? Certains ne sont pas sous sa garde. Fait significatif, on reparle aujourd'hui d'une option militaire. À Paris, manifestation pour protester contre l'enlèvement à Beyrouth de quatre Français, dont le journaliste de l'événement, Jean-Paul Kaufmann. Parmi les milliers de manifestants, des hommes et femmes politiques de tous bords, Denis Brunetti. Sauvons Kaufmann et tous les autres, s'exclamait l'appel à la manifestation de l'événement du jeudi. Le défilé de plusieurs milliers de personnes, lui, fut silencieux. À sa tête, la famille de Jean-Paul Kaufmann, des amis des autres disparus, Jean-François Kahn. Beaucoup de journalistes, naturellement, des envoyés spéciaux de télévision ou de journaux qui sont allés un jour au Liban, des copains venus là pour Jean-Paul, ou d'autres simplement par confraternité, par solidarité, par amitié, par symbole, ou pour les droits de l'homme. Il y avait aussi des hommes politiques de droite, de gauche, des syndicalistes, des intellectuels et des journalistes, ni de droite, ni de gauche. Il y avait aussi des gens anonymes, de ceux qui auraient peut-être, peut-être pas, lu les articles de Jean-Paul Kaufmann, de ceux qui veulent encore comprendre ou espérer, malgré les images troublées du Liban. Et puis, parmi toutes ces têtes, connues ou inconnues, un homme qui sait peut-être ce que vaut une telle manifestation, Jacques Abouchard. En Italie, élection d'un nouveau président de la République, Francesco Cossiga, qui succède au très populaire Sandro Pertini. Monsieur Cossiga a 57 ans, fait sans précédent en Italie, il a été élu au premier tour de scrutin par les grands électeurs, Marie-Geneviève Lemoine. Cossiga. Quasi unanimité en faveur de Francesco Cossiga, le candidat démocrate chrétien a convaincu députés et sénateurs de tous bords. De plus, c'est la première fois depuis 40 ans qu'un président de la République est élu au premier tour. Cette élection couronne une ascension politique régulière. Inscrit à 16 ans au Parti démocrate chrétien, Francesco Cossiga devient à 30 ans le plus jeune député italien, un député redoutable pour son éloquence. Il participe ensuite à plusieurs gouvernements. Ministre de l'Intérieur lors de l'assassinat d'Aldo Moro, Premier ministre sous la présidence de Pertini. Un an seulement d'ailleurs, et c'est l'éclipse de la scène politique. Il revient en 1979 et devient président du Conseil. Quatre ans plus tard, président du Sénat, le deuxième personnage de l'État. Respecté pour son honnêteté, Francesco Cossiga a donc rassemblé toute la classe politique italienne. Et il s'installe pour 7 ans au Palais Quirinal. Patrick Baudry est revenu sur Terre avec le neveu du roi d'Arabie Saoudite. C'est la première fois que des étrangers participaient à un vol de la navette Discovery. La mission a été l'une des plus réussies selon le directeur des vols de la NASA. La quasi-totalité des objectifs a été atteinte, dont le déploiement de 3 satellites de communication. La NASA compte effectuer un vol par mois jusqu'à la fin de l'année. Nous allons pouvoir investir dans le cinéma et les sommes versées seront déductibles de nos impôts. Le cinéma avait bien besoin d'argent frais. Le système fonctionne très bien au Canada. Particuliers et entreprises préfèrent donner de l'argent au cinéma plutôt qu'au fisc.
Et c'est ce système qui a inspiré Jacques Lang pour le projet de loi qu'il vient de présenter au député Alain Beverini. Si la loi est votée, les films, mais aussi les programmes audiovisuels, pourraient être financés à 50% par des investisseurs privés. Pour inciter ces nouveaux investisseurs, l'exonération d'impôts est bien sûr très séduisante. Imaginons M. Durand, vous ou moi en quelque sorte. M. Durand a un revenu net global de 200 000 francs par an. Il pourra investir dans le cinéma jusqu'à 50 000 francs, soit au maximum 25% de ses revenus. Il pourra surtout déduire l'intégralité de cette somme lors de sa déclaration d'impôt. 5 et 6, voilà. Les entreprises, quant à elles, pourront injecter dans l'audiovisuel et le cinéma leurs bénéfices, mais ne seront exonérées que sur la moitié, ce qui représente tout de même 25% d'abattement d'impôts sur les sociétés. Entreprises ou particuliers pourront choisir entre la classique action nominative dans des sociétés de production et le versement en numéraire concernant une œuvre déterminée. Des sociétés financières agréées par le ministère de l'Économie seront chargées, dans ce cas, de la gestion des fonds et de la répartition des bénéfices. Ces mesures devraient apporter entre 300 et 500 millions de francs d'argent frais dans le cinéma et l'audiovisuel, de quoi aider l'équivalent d'une centaine de programmes à voir le jour. Wimbledon est noyé sous la pluie. La foudre est même tombée sur le stade au milieu des 30 000 spectateurs qui attendaient le début du tournoi. John McEnroe et l'Australien McNamara ont commencé leur match à 19h30, mais le gazon était trop glissant. Après 21 minutes de jeu sur le score de 3 jeux partout, dans le premier set, McEnroe a demandé l'arrêt du match. Lendl, lui, de son côté, a continué à jouer et il s'est même qualifié pour le deuxième tour. Les organisateurs, paraît-il, ne sont pas inquiets. Wimbledon a l'habitude de la pluie. Et maintenant, notre point économique avec Françoise Laborde. Vous allez bien sûr nous parler du dollar, de la tendance et de l'accroissement de la masse monétaire. Oui, mais si vous le voulez bien, démarrons par le dollar. Il était très ferme vendredi dernier et puis il a cédé un petit peu de terrain en ce début de semaine. Il perd plus de 3 centimes à 9,3685 francs. Le marché de l'or très calme aujourd'hui à Paris. La barre à 94 500 francs reste inchangée. Le lingot à 94 400 francs perd 150 francs, alors que le Napoléon lui gagne 10 francs à 552 francs. À Wall Street, après la forte hausse de la fin de semaine dernière, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles s'est replié de près de 5 points à 1319 points. Enfin, à Paris, la corbeille a continué sur sa lancée de vendredi. Les valeurs françaises ont gagné 1% en moyenne. Seul le marché des obligations reste encore morose. La masse monétaire, on y vient, elle a beaucoup progressé. Elle a progressé beaucoup plus que prévu. Le gouvernement prévoyait une augmentation de 4 à 6%, seule compatible avec l'objectif d'inflation. Dans les faits, cette masse monétaire a augmenté de 8,4%. Alors, trois facteurs expliquent ce dérapage. D'abord, les emprunts du Trésor à court terme pour financer le déficit budgétaire. Ensuite, les entrées de devises étrangères attirées par des taux d'intérêt plus élevés chez nous que chez nos partenaires européens. Enfin, l'augmentation des crédits bancaires avec certaines dérogations à l'encadrement du crédit. La Banque de France pourrait intervenir pour contrôler ce dérapage. Parmi les diverses mesures envisagées figure le retour à une politique plus stricte des crédits bancaires et puis aussi la baisse de la rémunération des livrets d'épargne pour canaliser l'épargne privée vers des placements à long terme. Autant de formules qui auraient des effets néfastes sur l'activité économique et la tenue du franc. C'est ce qui explique la grande prudence du gouvernement français à choisir entre la libération du marché monétaire ou l'encadrement. Merci Françoise. Enfin, la météo, c'est-à-dire la pluie, faut-il prendre notre mal en patience, Isabelle Périlloux? Nouvelle aggravation demain avec l'arrivée d'une zone de pluie qui touchera demain après-midi la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. À l'avant, des passages nuageux et de rares éclaircies sur toute une moitié nord, sur toute une moitié sud, en revanche, du grand beau temps. Les températures seront en baisse sur la moitié nord, elles oscilleront entre 16 et 21 degrés. Sur la moitié sud, elles seront stationnaires entre 21 et 26 degrés. Tout de suite après ce journal, vous n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien avec Luce Perrot, qui reçoit ce soir François Cavanna. Et vos prochains rendez-vous avec l'information, c'est demain à 12h, 12h30, 13h, avec Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Et avec toute l'équipe de cette dernière édition, je vous souhaite une excellente nuit. À demain.
Au cœur du dernier roman de Cavanna, une histoire d'amour. Celle de cette passion folle de l'auteur pour une belle slave, Maria, rencontrée pendant la guerre en Russie, puis perdue et retrouvée 40 ans plus tard. Mais aussi et surtout, c'est une balade à travers Paris, ou plutôt le vieux Paname de Léo Mallet, d'Apollinaire et même de Huysmans. Paname avec ses cours, ses coins de rue, ses chats, ses clochards, ses bistrots dans lesquels Cavanna refait le monde avec ses copains. Paname et ses femmes qui martèlent le pavé de leurs talons aiguilles, de leurs talons vertiges, qui martèlent aussi le cœur du brave moustachu fleur bleue, qui même s'il essaie de nous perdre dans les ruelles de sa ville adorée, ne trompe personne. Car je crois, François Cavanna, que pour vous, les femmes, c'est comme l'air qu'on respire. C'est à peu près ça. Oh, c'est beaucoup plus. Plus que ça encore. Oh là là. L'air qu'on respire, on n'y pense pas. Ça se fait tout seul. Les femmes, non. Les femmes, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est vital, bien sûr, aussi vital que l'air, mais ça n'est pas évident, pour parler comme mon petit-neveu. Il faut les conquérir, ou faire comme si. Enfin bon, on se figure qu'elles sont à conquérir. Enfin, c'est difficile, c'est... Pourtant, ça semble pas si difficile que ça. Oh, si, oh. C'est le Graal. Carrément. Carrément. Alors, il y a, je le disais, une très belle histoire d'amour dans votre livre, celle de cette passion avec Maria. Maria, c'est celle des Rouskov, qu'on connaissait déjà. Bien sûr. Vous pouvez nous rappeler un petit peu cette histoire? Eh bien, j'avais 20 ans. Ceux qui, par hasard, n'auraient pas lu les Rouskov. Mais qui court le lire? J'avais 20 ans, elle aussi. Et j'avais été raflé par le STO, dans les tout premiers, ça venait de se faire, et elle avait été raflée, comme il raflait tout le monde là-bas, en Ukraine. S'était trouvé jeté dans une usine d'armement, moi aussi. Et la première nuit, j'étais là, halluciné de manque de sommeil, de 3 jours dans un wagon à bestiaux, sans dormir, et puis à peine arrivé, je me retrouve au travail, en pleine nuit, sans avoir pu dormir. J'étais de l'équipe de nuit, un hasard. Et cette nuit-là, j'insiste sur ces circonstances, parce que c'est comme ça qu'elle m'est apparue. Elle était à mon côté, on servait la même machine, c'est-à-dire que j'étais censé être le chef de machine et elle être le manœuvre qui me servait, mais elle m'apprenait le métier, puisque je ne savais rien, j'arrivais. Bon, c'était un métier très très simple, mais dangereux. Et dans cette nuit, dans cette espèce d'éblouissement, vous savez, de gars qui n'a pas dormi depuis des nuits, qui tombe de fatigue, qui est ahuri, qui se retrouve plongé dans... Je n'ai rien compris, quoi. Et puis c'est cet atelier immense, ou des presses qui faisaient un bruit épouvantable à intervalles réguliers, comme des coups de canon. Et puis ces gens qui parlaient une langue que je ne comprenais pas, puis tous les autres petits Français comme moi qui étaient là aussi écarquillés que moi. Alors voilà, elle m'est apparue là. C'était le premier contact. À peine arrivé sur cette terre, je l'ai trouvée. C'était comme une récompense après tant de jours difficiles. J'ai pas su tout de suite, il a quand même fallu quelques jours. Mais je crois que j'étais à l'affût, hein. J'en avais besoin. J'étais comme le... Il fallait qu'elle soit là. Le pistil ou l'étamine, enfin je ne sais plus lequel des deux qui attend là ce moment. Et puis là, vous l'avez... Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez perdue, puis retrouvée. Là, c'était 2 ans et demi plus tard. Nous avions été... Toute l'usine, d'ailleurs, avait été envoyée... Berlin était assiégé, et juste avant que ça soit bouclé, nous avons envoyé devant Stettin, qui est au nord, au bord de l'Oder, et au bord de la mer aussi, où les Russes faisaient une halte avant de donner l'assaut final. Et on nous avait tous envoyés là-bas. On était des milliers et des milliers sur cette immense plaine de Poméranie à creuser des fossés anti-chars.